Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. On va pas se mentir, hein. Le vent n'était pas bon. Hein. Ouais, non, même si je trouve qu'en première mi-temps, dans la tenue du ballon, dans la préparation de nos attaques, c'était bien. Même si on a pris deux buts, un d'entrée et puis le deuxième juste avant la mi-temps. Et on a bien construit notre jeu, mais après on a manqué d'agressivité devant le but. C'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. J'ai dit bon. Après, en deuxième mi-temps, on a été agressif devant le but, même si on a été dominé, même si Dimi fait des arrêts, il a fait des bonnes sorties. Et là, il nous a tenus dans le match. Et puis. Et c'est bien parce que les deux jeunes ont marqué, c'est bien. J'allais le dire, c'est un motif de satisfaction parce que le contexte vous avait amené à avoir une vision plus large de l'effectif pour le coup. Non, mais ils ont joué le week-end, ils ont joué. Le petit Lucas, il a joué pas mal de matchs. Et Othman, il avait fait une bonne entrée la semaine dernière. Là, il a fait une première mi-temps correcte. Et puis il a manqué, il a été agressif en deuxième mi-temps devant le but et il a marqué, tant mieux pour lui. Un dernier mot Michel, autant que nous, un dernier mot dans cette année dont on a peut-être oublié un peu tôt qu'elle était charnière avec ce redressement à 18 clubs. Cette 12e place, ma foi, c'est pas mal, même si j'attends de vous que vous me disiez ça aurait pu être mieux. Moi je vous dis, on aurait pu faire mieux, bien sûr que oui, on peut faire mieux. Je pense qu'avec la qualité des joueurs qu'on a, et je pense que si on avait été meilleur, on aurait dû prendre un peu plus de points. Ouais. Ça, c'est une évidence. Merci Michel. Franchement, on n'en voudra pas à ceux qui considéreront que ça tient un peu du miracle. Oui, c'est sûr, surtout vu la première période où on est mené à 2-0, on s'est dit à la mi-temps, on n'a rien à perdre. Il faut donner le maximum, aller vers l'avant, essayer de rester bloc bas et contrer, c'est ce qu'on a bien su faire. Après, on est revenu à 2-2, on a bien défendu. Ils ont eu beaucoup d'actions. Heureusement que Jim, il était là aussi, il nous a sauvé pas mal. Donc, c'est un bon point. Vous étiez capitaine ce soir, Bessir. C'était la première fois d'ailleurs, je crois, cette saison, non ? Ouais, c'est sûr. C'est la confiance que le club il me donne. Ça fait plaisir d'aider l'équipe en tant que capitaine et je serai toujours là pour l'équipe. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait que le vent a tourné ? Mais je pense qu'on était convaincus qu'on pouvait déjà faire tourner ce match. Je pense que c'était le plus important parce que si on n'est pas convaincu, je ne pense pas qu'on revienne à 2-2. Et puis je pense que c'est aussi la cohésion d'équipe. On s'est dit à la mi-temps que, comme j'ai déjà dit, on n'avait rien à perdre et il fallait aller vers l'avant. Vous aurez pris 24 points à l'extérieur cette saison. De quoi nourrir quelques regrets au fond sur ce qui s'est passé à la maison ? Oui, c'est sûr. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on n'a pas su faire le travail à la maison. Parce que si on avait fait le travail à la maison, on serait plus haut classement sûrement. Donc c'est le regret de cette saison. Et il faut maintenant se concentrer sur la saison prochaine pour pouvoir récupérer ces victoires à la maison. Merci beaucoup, Bessir. Merci.